amplifier la mobilisation, montrer que les familles nous soutiennent parce que les taux d'encadrement, c'est aussi les conditions d'accueil des parents, des enfants, pardon. Qui est pour la grève demain ? L'Assemblée générale donc, s'est déterminée à reconduire la grève demain, avec une Assemblée générale donc, à 11h, et avec des propositions de tracter au niveau de la population pour faire comprendre aux usagers briochins aussi ce qui se passe au sein de notre collectivité en termes d'effectifs. Et... d'agents en grève aujourd'hui Globalement, 250, on va dire. Donc une mobilisation, on va dire, même niveau qu'hier, qu'on va tenter de. D'accentuer par consultation du personnel dans des secteurs où on n'a pas convaincu les agents sur les enjeux de la remise en cause de nos missions de service public, notamment dans nos régies, la remise en cause des taux d'encadrement au niveau d'éducation et de la petite enfance. Aussi, vu en ce moment, en termes de dialogue social, ne convient pas à la CGT, il n'y a plus de dialogue social à la mairie. Donc le dossier sur les taux d'encadrement, par exemple, il n'y a rien de changé. Pour des raisons budgétaires, accusation de l'État par rapport à notre élu au personnel. Donc pour la CGT, on ne peut pas cautionner cette politique qui remet en cause nos services publics de demain.